ciel, c'est votre passion là. C'est la passion, oui. Ah, le passion, c'est okay. Votre passion de toute votre jeunesse. Ah, ça oui. Ça remonte à très loin, à l'âge de 15 ans. Vous avez commencé. À l'âge de 15 ans. La maquette, c'est le deuxième. C'est le premier avait été fait en voie de récupération. Et celui-ci a été refait à l'échelle en un cinquième en 1983. Et en tout, il y a plus de 10 milliards de travail. Combien? Plus de 10 milliards de travail en tout. Et actuellement, on est rendu à 150 mannequins dans la maquette, rhabillés par nous-mêmes. Tout est fait par nous-mêmes. Instrumentalement aussi. Vous y passez beaucoup de temps là? Beaucoup d'heures. Mais vous êtes en retraite? Ah, ben, maintenant j'en fais une. Ouais. Donc ça permet de faire davantage d'expositions, de le présenter à beaucoup de gens, hein, partout en France. Ah oui, parce que je sais par quel âge j'ai connu, j'ai vu se monter, j'ai donné un coup de main à le monter, à le démonter, j'ai dansé dessous évidemment. Vous avez dansé? Ah bah dessous, oui, j'ai comme des semaines aussi, comme beaucoup de gens. Ouais. Vous avez emballé comme on les met? Beaucoup emballé. Mais ce qu'il y a à cette époque-là, c'est qu'il y avait les futurs belles-mères qui étaient là, alors ah oui. Fallait faire attention parce que ça ne regardait pas. Hein. Mais il fallait venir rester sur ses gardes. Hein, parce que, sérieux, très sérieux. Pas comme maintenant. Hein. Maintenant c'est l'inverse, maintenant c'est les enfants qui amènent leurs parents au bal maintenant. C'est l'inverse quoi. C'est l'inverse. Alors Jean-Michel, c'est jamais fini, il y a toujours du travail à faire. Ah, tout le temps, il y a tout le temps un petit peu de rénovation, toujours. Des modifications, modifications, non mais bon, c'est surtout de l'entretien. Hein. Bon, les costumes, on est tout le temps après en refaire, parce que bon, on veut que ça soit le plus top possible. Donc, puis bon, bah, le parquet, bon, bah, si des fois il y a des petits nions ou autre, bon, c'est des choses courantes qui arrivent un peu après le parquet, mais enfin, il faut faire en sorte quand même d'entretenir le matériel, bah, comme dans le réel. Hein. Il faut savoir tout faire. Les habiller, les l'hiver, ils ont un manteau. Et quand c'est l'été, on enlève le manteau. Ah bon? Ah ouais. L'hiver, quand on a des expositions qu'en hiver, ils sont tous habillés en manteau. Et alors quand arrive après l'été comme là, maintenant, là, on enlève les manteaux. Quoi. Ils viennent au bal, on va dire, en décontracté. Là. Et là, tous les costumes ont été faits par nous-mêmes. Hein. Et donc maintenant, je suis même devenu tailleur. Hein. C'est moi qui taille les vêtements et mon ami a pas fait la couture.
évident d'acheter des poupées comme ça, ça doit vous coûter cher. Ben, ça coûte cher quand même parce qu'on a à peu près 150 mannequins dans le parquet, là, et donc toutes deviennent pratiquement des brocantes. Et on a fait en sorte de ne pas trouver les mêmes. Donc, on a eu beaucoup de mal pour trouver des hommes, pour trouver les mannequins, enfin les quins, beaucoup de mal, les chaussures, beaucoup de mal. Quoi. Vous trouvez ça dans les brocantes? Les brocantes, on les achète entre 2 et 3 euros. Ils vont être désaffectés, nettoyés, et après on fait l'habillage. Quoi. Mais on fait une sélection parce que là il y en a 150, mais à la maison il y en a pratiquement encore une bonne centaine. Quoi. C'est 14, vous quoi. Qui faites les vêtements? C'est mon ami qui fait la couture, mais moi maintenant je suis devenu patron. Quoi. Je fais ce qu'on appelle les patrons et le tailleur. C'est moi qui taille les vestes, qui taille les pantalons. C'est moi qui fais les cravates, tout. Alors après, bon, suivant les vêtements qu'ont les mannequins, bon, ben, c'est moi qui, mon ami, on juge quelle cravate on met à un tel et un tel, parce qu'il oblige à avoir beaucoup de tissus à la maison. Hein. Donc ce qu'on fait, on va chez Meus, et donc là, on a un tas de guenilles à la maison. Donc on pioche dans le tas pour savoir ce qui était l'époque ou pas l'époque. Hein. Non. Mais là, ça vous fait des jolies filles. Ah là, elles sont toutes jolies, hein, on va dire. J'ai encore pas fait mon choix d'une, mais elles sont pratiquement toutes belles. Hein. Plus belles. Et dans leur caisse, il y a les caisses hommes et caisses femmes. Hein, c'est pas mélangé, hein, c'est chacun de leur côté. Et ça date de quelle époque, ça, ce parquet-là? Ah ben, ce parquet-là, il a été construit juste avant la guerre. Juste avant la guerre. Et donc, après, M. Mauduet, quand il l'a repris, parce qu'au début, il était en association avec un monsieur, quand il l'a repris à son nom, après, le parquet, il l'a grandi à 23 mètres de long. Il a tout refait de plancher en chêne, et c'était un parquet qui est entretenu. Alors, pourquoi le Poissy-Bois? Parce qu'il vient de la ville du Grand Poissy, en Indre-et-Loire, 37. Mais 23 mètres, c'est pas grand? 23 mètres, ça fait déjà de bonne longueur. Hein. Ah bon? 23 mètres de long, ça fait déjà de bonne longueur. Ah, c'est un grand parquet? Un grand parquet, oui. Ouais. Celui-là, il fait quand même 3 mètres de long, c'est 1,20 m de large, 80 cm d'hauteur. Et le parquet, comprenant ses accessoires, c'est-à-dire vestiaire, les bancs, l'estrade, les tréteaux, ça représente 158 pièces. Donc 4h30 de montage et 2h30 de démontage à 2 personnes. Votre invention là tout est fait par moi-même. Tout ça c'est fait avec de la récup. Hein. Moteur de chez Maus, les poulies ont été faites par moi-même en bois. C'est moi-même qui ai découpé les poulies. Hein. C'est pas fait par moi-même. Tout était fait par moi-même. Et là, le musicien, il s'arrête jamais alors? Ah ben le musicien, non, c'est toujours en action. Hein. Tout le temps, il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit. Hein. Pas de répit. Jamais de répit. Et voici les dernières. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir bonsoir les amis, bonsoir bonsoir les amoureux, bon rêve et bonne nuit. Les enfants de nous séparer, l'orchestre vous libérit, si vous êtes satisfait, vous reviendrez. Bonsoir bonsoir les amis. Quand la balle était finie, on avait le droit à ça, c'était Et dimanche prochain, assemblée à la salle Guenand.